Et salut Twitch. Salut YouTube, évidemment. On n'a pas l'image. Ça, c'est incroyable, ça. Hein, 2018, on n'a même pas d'image. Incroyable. Incroyable. Tac, tac. Alors non, fail. Il est taquin, ce petit driver. Il est taquin. Hop, on va se mettre d'ici. Tac, tac, tac. Vidéo. Ah, breakfast, forcément, c'est pas bon, breakfast. Ah, driver, c'est mieux. Voilà, driver, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, on est bien. Bon, t'apparaît, Coco. Voilà, incroyable. Épisode 28752. Non, je déconne. 4 ou 5. Je dirais 5, théoriquement. Alors, attends. Pourquoi la manette ne répond plus? C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Ouais, ça va être une blague. Ça a l'air d'être une blague. Parce que si la manette se découle alors que le jeu n'est pas actif, bah ça fout le bordel, clairement. Donc on va le relancer. Pas un problème. Affaire de 3 quarts d'heure. Oh, le petit Atari. Mais ça va arriver, ça va arriver. C'est pas un problème. Voilà. Tout va bien. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas d'habitude. Hein. Voilà, French, tout ça, entrée, on charge Gamaliel, tac, ouais, chargement en cours, bam, ça change de résolution, attention. Voilà. On est bien. Voilà, undercover, continue la partie, le petit résumé qui va bien, on se tait, et on apprécie. Ça a mal tourné. Bacchus a pris un otage. Petite, maintenant tu vas crier pour de vrai. Pourquoi tu tues systématiquement? Je prends la caisse de Tico et je la ramène à South Beach. Il vous faut un chauffeur, il me faut une équipe. Si t'es pas à la hauteur, tu finiras comme lui. Tu bosses avec nous. Le prochain boulot consiste à s'occuper de Gator. Ils veulent livrer une trentaine de bagnoles en Europe. On ne sait pas qui les demande. Il y a qu'en les filant qu'on saura. L'enveloppe laissée par Gator contenait suffisamment d'informations. Une heure et un lieu pour piéger tout South Beach. Si j'étais venu te buter, tu serais déjà mort. Tu ne me sers plus à rien, Gator. T'es un homme mort. Et ça rime. Ok, on a reçu les ordres. Les caisses partent à Nice. On se retrouve là-bas. Vauban et Dubois veulent récupérer les voitures. Pour Tanner, il n'y a rien à ajouter. Tanner est de retour avec toute l'équipe, prêt à superviser le passage en douane des voitures. Il croit toujours qu'il mène la danse. Mais Vauban et Dubois vont le faire à leur manière. Ils foncent droit sur les caisses. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu n'établis aucun contact avec lui, ni avec ce qu'il transporte. Tu amènes le conteneur sur les docks, sans que personne t'arrête. J'ai reçu l'ordre. On part bientôt. Vous savez ce que j'ai trouvé? C'est un émetteur de poursuite standard. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce que ça fout ici? Demain matin à 11h, Zibou doit vendre des armes aux Américains. Ok. J'aime bien quand ça s'arrête de façon assez brutale ou abrupte, comme tu veux. Je ne t'ai jamais raconté comment se termine l'histoire de la lame et des doigts. Ouais. Comment ça finit? Carnot a disparu le lendemain. Pour moi, c'est clair. Il était flic. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, voilà le mec qui va causer ta mort. On l'avait vu lors de l'épisode précédent, mais on va le laisser. Amenez-le ici.
t'es un flic, tu le flingueras pas. Voilà. Il mourra demain. Videz les lieux, moi je vais chercher la caisse. Du coup, on était là, dans le panneau. Alors, vu que je suis sur driver, j'ai aucun moyen de voir la liste des spectateurs, etc. Comme ça arrive souvent, donc je vais passer par la petite. Demain, je te dirai qui a commandé les voitures, et je crois que ça te la coupera. Ici Fabienne. Vous quittez ma ville. Une bombe se trouve dans votre voiture, et elle explosera si vous descendez en dessous de 80. Ah. Bon, allez. Selon Mars, trouve un véhicule, ah oui, c'est vrai, on te retrouvera. Il faut se débarrasser de cette voiture. Là, clairement, faut qu'on observe le trajet le plus rapide. De toute façon, ça va être tout droit, je pense. Ah ouais, ça nous oblige à passer par là, tac tac. Ce qu'il faudrait, c'est genre je puisse. Ah non, c'est mort. Prendre la route à droite, là, tu vois. Et je cut direct, tac tac. Bon, on va prendre la route côtière. C'est pas grave. Excusez-moi, pardon. De toute façon, je pourrais pas atteindre les 80 si je suis en. Je suis sur des petites routes. Pourquoi c'est aussi flashy? C'est ouf, hein. Il n'y a pas de pack de textures pour driver, tu vois. C'est vraiment beaucoup de jeux. Ah, tant pour moi. Si, je sais qu'il y a... Il y a... Ils ont commencé à modder le jeu, je crois, récemment, il y a quelques mois de ça. Ah si, il y a les vitesses en haut à gauche. Tenez. Mais c'est que pour cette mission. Il me semble pas avoir le compteur de vitesse sur les autres missions. Ah, voilà, par contre, si je me prends un choc... Ça va être fatal. Ça devrait bien se passer. On ne voit rien. Tac tac. On est bien. Tout se passe relativement bien. C'est vrai que c'est dégueulasse à Nice. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je check la version Xbox. Ouah, je vais me bouffer le poteau. Vous voyez comme ça pop. C'est un truc de ouf. Le clipping est dingue. Je vais pas terrain, vous foirez. Mets-toi au même niveau et je sauterai. Ensuite, je veux que tu ramènes cette bombe à Fabienne. Voilà. Tout simplement. Ah merde. C'est pas fini? Ouais, mais comment on fait demi-tour? Ah! Tu vois? Forcément, je vais péter. Et non. C'est chaud, hein. Alors, où est le Camtar? Il est là-bas. Ouais. Pas du tout. Oh, oh, oh. Ah bah là, je vais mourir. Ah ouais. Ouais. Bon, attends. Ah, j'espère... Ah ouais, ça recommence. Ah non, c'est bon. Bon, ils sont cool. Ça c'est mauvais plan. Attention, explosion. On peut faire demi-tour directement sur la plage. Clairement. C'est là. Bon. Attends. On va faire un truc. On va accélérer. Voilà. Hop. Pourquoi tu vas dans l'eau? Oh, joli brille.
Très jolie grille. Ah bah non. Bah non. Non mais... Non bah lui il a dégagé avec sa CX. Bon ça c'est le bon truc en fait. Faut que je grimpe direct ici tu vois. A chaque fois elle part en cacahuète. Dommage. On va y arriver. On va y arriver. Ouais mais non. La physique est chelou hein. Bon. Non je veux pas le réalisateur. Comment ça? Non mais allô quoi. C'est toujours un truc pour m'emmerder dans cette ville. C'est un truc de ouf hein. Pourquoi tu sautes direct sur le poteau à chaque fois? Putain. Ah la plaie. La plaie. Bah ouais forcément, ça c'est le mauvais délire. Je savais bien que c'était un mauvais délire. Ah mais incroyable, nombre de fois que j'ai explosé. Mais allô quoi, allô. C'est hallucinantiel ces conneries. Ah c'est quand même pas compliqué quoi. Voilà. C'est dingue comme je suis mauvais des fois hein. Ça c'est bien et comment il gueule dès que tu fais pause là. C'est chaud hein. Dès que tu fais. Enfin dès que tu fais pause. Tu reviens dans le jeu, ça gueule de ouf. Excuse-moi la lambeau. Attends, on va regarder. Le stream. Ouais c'est bien mais c'est où? Ah la blague. Et merde. Ah oh, sort. Et 30 ans. Bon bah c'est pas pareil qu'il faut rentrer. Bon, ça c'est bon. Hein. Voilà, tac. Hop là. Oh, bah oui, hop là. C'est un délire. Un délire. C'est bon. En fait, c'est tranquille. Sincèrement, c'est tranquille. Est-ce qu'on ira à Istanbul ce soir? Bonne question. Faut pas tourner là où j'ai tourné. Mais dans le doux, je me suis dit, ah, peut-être. Non, pas du tout. Bon. Donc il faut tourner où? Il faut tourner. Et j'y vais comment moi? En fait faut aller sous le camion, c'est ça d'ailleurs. En fait c'était bon. Faut aller sous le camion. Bon, on va faire un tour pour rien. Ah non, je sais ce que je fais. Je me jette du véhicule. Ah non, mais non, c'est une blague. Ah, parce que la barre redescend pas. Hey Drizox, comment ça va bien? Bonsoir à toi, comment vas-tu? Tu arrives en pleine mission problématique. Hop. Je suis très mauvais. Ça fait plaisir, Nimo, depuis le temps. Oula, la lambeau doucement. Traverse pas comme ça. Bah écoute, ça va super bien. Ça va super bien. Je sais pas si t'as vu les stories sur Instagram ou la vidéo sur Twitter. Mais écoute, ça va bien. Tout est résumé en 45 secondes.
ou en 6 story, tout dépend. C'est stressant ce bruit, hein. Rivios, bonsoir, bienvenue, comment vas-tu? Donc attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner direct. Et on va jeter du véhicule pour l'envoyer exploser sous le capital. Ok. Alors toi avec ta Fiat Panda, me gêne pas, merci. L'abribus qui pop à la gueule, on apprécie. Tac tac. Et hop. Ah oui, magnifique, incroyable, ces effets spéciaux. C'est tout. C'est juste ça. C'est ridicule. C'est tout maintenant ridicule. Tu vas bien, bah tant mieux alors. Tant mieux. Voilà, on a sauvegardé. Mission suivante, on enquille. D'ailleurs, on enchaîne. Ça commence par MC Lab. Bon. Oh, la CX. Il y a des chiens. J'aime pas les chiens. Tu me dois déjà une pièce. Et puis il y a tous les hommes que vous avez butés le jour où vous êtes arrivé. What? Et puis les hommes chez Zigo. Cette fois, ton chauffeur ne viendra pas. Mais. Toujours cette chatitude. Toujours. Non mais Drizox. Mais. Aucun respect pour la cinématique, merde. Merci énormément Drizox. Non, tu déconnes. Tu m'as marqué, me remercie pas, mais esprit de contradiction, je te remercie forcément. Drizox, t'es ouf, merci énormément. Putain, merci, merci. Putain, les gars. Putain, merci. Kalita a des problèmes. Ils ont piégé la voiture. Ah, merci. Une autre équipe est en route pour l'éliminer. On a le choix entre les empêcher de l'atteindre ou aller la chercher tout de suite. Non, c'est normal. Je vais conduire. Ne me remercie pas, c'est gâteau. C'est cadeau, c'est gâteau. Mais monte, espèce d'abruti! Bon, allez! Qu'est-ce qui se passe? Je t'en rends où? Merci beaucoup, je me répète. Bon, on fait quoi? On va où? Concentrons-nous. Soyons un streamer lambda. Oh, on peut faire pivoter la carte. Incroyable, j'avais pas vu. Je vais vomir. Du coup, on sort, on va tout droit. Pas de problème. Hop. Tac. Non, les gars, ça fait plaisir. Vous soyez là, je suis là, on est là. On joue un bon vieux petit jeu là. Un bon vieux petit jeu. Ouais, non, pas français. Un bon petit vieux jeu. Ouais. Faut pas klaxonner. Pas de klaxon sur cette caisse. Ah oui, il fallait aider Kalita. En train de se faire massacrer clairement hein, sa barre de vie est en PLS. Alors attends, il y a un point vert mais un objectif. Je capte pas tout. On va aller voir le point vert à gauche là. Ça se voit. Bah ouais, ça se voit. Non, en plus ça bug de ouf, hein, je sais pas pourquoi. Quand je suis arrivé, alors à Miami ça allait, bon le jeu il a 14 ans, si j'ai pas de conneries. Et quand je suis arrivé à Miami, ça allait, tu vois. Enfin, quand je jouais à Miami, ça allait. La première vidéo à Nice, ça allait. Et là, je sais pas pourquoi, genre, il y a du clipping de ouf, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Bref. Et ils m'ont défoncé la voiture, moi. What? Mais descends. Mais je. Pourquoi tu te jettes? T'es à 5 à l'heure, gros. Mais what, quoi? Il est où là, t'abruti? Il est où? Mais monte dans la voiture! Qu'est-ce que tu fais? Bon, expliquez-moi pourquoi cet abruti. Lui là. Allô Philippe? Tu vois pas que la voiture est morte? La voiture est morte! Bon. Bon, du coup, on ne peut pas. Se faire défoncer la voiture. Donc, on va esquiver le camion. Et limite le fourgon, on va voir, ouais, bah, on va aller voir Kalita.
C'est trop grand pour le graphique. Ouais, tu vois, je peux pas appeler ça assez puissant. Le driver est tellement beau. Non, mais des fois, quand tu joues à des très très vieux jeux comme ça, bah c'est vrai que sur des PC récents, bah ça a tendance à déconner en fait. Pourtant, j'ai tout mis à fond et tout, mais je sais pas, c'est bizarre, ça a bugué depuis quelques temps. À la base, je voulais jouer sur Xbox parce que moi, quand je l'ai fait à l'époque, c'était sur la première Xbox. Et je me suis dit, tiens, autant y jouer sur PC, comme ça, au moins, on a 60 images par seconde. On a de la fluidité, à défaut d'avoir de la bouteille. De toute façon, ça va pas être pire que sur Xbox One, tu vois. Et du coup, il y a un clipping de ouf là depuis 2-3 épisodes. Mais bon, on est là, on fait des vieux jeux, on fait des jeux récents. On est comme ça. On est chez Gamayel, quoi. Bon, on va oublier le fourgon parce qu'il nous défonce en 2-2. Elle est, ça passe. Elle est, Miami, je veux dire. Non, je sais pas, je comprends pas où, parce qu'il y a moins de bâtiments en fait. Tu vois, la distance d'affichage est plus loin, du coup, on voit que ça pop. Mais quand même, les voitures devraient pas avoir. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, on verra quand on ira à Istanbul. Peut-être qu'on va y aller ce soir, je sais pas combien de missions il reste avant d'aller à Istanbul. Peut-être qu'on ira ce soir, il nous reste quoi, une demi-heure sans driver. Essayer d'avancer un max, je fais n'importe quoi, pourquoi je vais là-dedans? Pourquoi je me complique la vie? Pourquoi je fais n'importe quoi? C'est bon, ça passe. Hop, hop, on esquive. Incroyable. On a le fourgon derrière nous. On peut pas tirer derrière le gars? Non, il peut pas tirer derrière. C'est pas grave, on va directement aller voir Kalita. J'ai envie de dire Carlita, mais non, c'est Kalita. Qualitatif. C'est ridicule. Alors, que se passe-t-il? Ah merde, c'est pas là? Ah si, c'est là. Ah! Mais c'est chaud! Pourquoi tu ressors pas de ta voiture, mec? Donc là, il y a le camion. Ok. Genre, c'est trop tard, ça. Ah! Oh là là, les gars! Les gars! Ah ouais, mais le fourgon, on peut pas l'éliminer, quoi. Enfin, on peut pas. Si, on peut, mais je veux dire, il me défonce tout de suite! Bon. La pauvre. Bah ouais, mais bon. Bon, comment faire? On a bien vu que si on se mettait juste derrière le fourgon, il est coincé. Ah ouais, non, mais l'autre il est dans la voiture, mais il tire que dans la voiture. Eh, hey, mercenaire, bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à tous, comment ça va? Bah écoute, moi ça va très bien. Vous êtes là, on est là, on s'amuse, on meurt, mais c'est pas grave. Et voilà, et. Je sais pas si tu l'as vu sur Twitter ou. Instagram, mais en tout cas, maintenant je peux le dire, j'ai reçu mon premier chèque Twitch grâce à vous. Merci beaucoup. D'ailleurs, les gars, je viens de voir que le sub a changé. God vient de se resub, je jouerai l'alerte, mais là je peux pas switcher en fait. Le problème, c'est que quand je suis sur driver, je peux pas sortir le curseur du jeu, c'est un peu la galère. Bref, du coup, ouais, un, j'ai reçu Spider-Man, que j'ai acheté grâce au don, donc merci beaucoup, on va le faire entièrement en live. Je pense le commencer la semaine prochaine. Mais selon mon emploi du temps, je suis pas sûr. Il y aura peut-être que deux streams la semaine prochaine. Je vous dirai ça dimanche. Mais on va manger du Spider-Man en live, clairement. Et puis, donc merci, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis voilà, premier chèque Twitch, vraiment. Enfin, c'est un délire, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et tu peux pas. Ah ouais, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Et ouais. Mais ouais, non mais alors, les gars. Stop. Attendez. Ça, je veux voir. Spider-Man? Tu veux voir Spider-Man, tu veux voir Shaq? Bah, Spider-Man, tu verras, c'est la semaine prochaine. J'invite à checker mon programme dimanche soir. Pour savoir exactement les jours. On va faire une découverte en live. Et après, on fera toute l'histoire principale en live. Avec les rediffs sur YouTube comme d'habitude.
Bah t'inquiète, ça arrive. Et normalement Red Dead, bah je l'aurai aussi, grâce à vous encore une fois, donc merci les gars, là je me fais extrêmement plaisir. Et enfin c'est ouf. Comme je l'ai dit dans mes stories Insta, c'est peut-être pas grand chose pour beaucoup de gens. Mais le chèque est de 128$, moi j'ai rien à cacher hein. C'est grâce à vous, donc j'ai rien à vous cacher. Donc avec les taxes, quand tu mets un chèque en dollars chez nous, bah ils prennent un peu. Plus la conversion, bon ça fait un peu plus d'une centaine d'euros, ce qui est énorme. Quand vraiment tu stream pour le fun, vraiment c'est énorme. Voilà. Tout ça prend des abonnés. Donc vraiment. Voilà, c'est ouf. Les mecs vont dire ouais c'est rien, ouais c'est rien. Je sais pas. Du coup on va vraiment se faire plaisir, on va faire du Red Dead en live, on va faire du Spider-Man en live. Et puis voilà. Bon on fait quoi avec le. Mais non mais Drizox bordel tu déconnes. Mais. Putain Drizox. Mais non, laissez-moi tranquille. Merci énormément Drizox. Merci. Non. Non mais c'est trop chaud. Ah peut-être que d'ici ils peuvent pas m'avoir. Ah ouais. Je sais pas en fait. Ah c'est bon. Allez hop. T'as gagné le loto. Non non mais c'est tout comme pour moi. Merci beaucoup Drizox. Ah ouf. Vous êtes des ouf en fait. Moi je suis là. Exceptionnellement j'ai commencé mon stream en retard parce que les gars, enfin, avoir autant de dons, encore une fois hein, je ne fais pas 10 000 euros par mois, hein, mais avoir autant de dons, juste pouvoir s'acheter des jeux comme ça neuf dès qu'ils sortent, plus le chèque de Twitch et tout, enfin c'est ouf, du coup j'étais un peu dans les champs et tout, je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il, du coup ouais c'est, bon c'est bon, hop. Aïe. Aïe. Bon, je me concentre à poil. Elle a visé les gars. C'est la PLS. Bah c'est oui, c'est ouf, vraiment Drizox. Tu l'as. De n'importe quelle manière. Tu l'as. Non vraiment c'est ouf. Je sais qu'il y en a, ils font ça que pour ça en fait. Les gens qui font ça que pour l'argent ou le nombre de follow ou la popularité, etc., forcément sont déçus. Il y en a plein qui disent ah ouais, je vais pas arrêter. On m'a raconté un truc, je dirais pas qui me l'a raconté tout, mais il y a quelqu'un qui, genre, streamait, etc., machin. Il monte dans cette voiture ou pas ? Merci. Et la personne, genre, a arrêté au bout de un mois ou deux mois et tout. Donc c'est une personne. Ah, le jeu il est hardcore, hein. Ah, c'est vraiment un jeu à l'ancienne. Et du coup, donc la personne me raconte qu'il connaissait quelqu'un qui streamait. Et que la personne, genre, a dit ouais, j'arrête de streamer parce que, genre, ça fait un mois ou deux mois que je stream, j'ai plus un seul don. Pardon ? Pardon ? Voilà. Mais. Ah, mais c'est chaud ! Du coup, voilà. Mais quand tu fais ça vraiment pour le fun et tout, tu t'en. Tu es vulgaire, hein, tu t'en bats les couilles en fait, et tout ça. Bah, le moindre euro, tu te dis, mais attends, mais pourquoi en fait ? Voilà ! Du coup, allez. Pas non plus chialer, les gars. Là je vais voir si je peux pas, je réfléchis, mais clairement je pense pour la fin de l'année il faut que je fasse gagner une petite carte, un petit truc. Les gars, je sais pas comment je vais faire gagner, c'est pas trop le fait de faire gagner un truc le problème, c'est de savoir comment le faire gagner pour favoriser ou défavoriser personne. Et ça n'en est mercenaire. Merci. Donc peut-être une petite carte, pas forcément un truc doux, hein. Je sais pas, peut-être 30 balles, 50 balles, je sais pas, genre Steam, PSN, Xbox ou un plateforme. C'est la façon la plus facile de faire gagner quelque chose. Et mais je sais pas encore comment. Tu vois, parce que j'ai l'avantage que y a pas beaucoup de nouveaux qui arrivent trop facilement, donc tu vois, la peur c'est que un gars arrive de nulle part, ah bah merci pour les 50 balles, salut, tu vois, et genre les gars qui sont là depuis le début comme vous, bah ils peuvent une chance de gagner, ça me saoule, j'ai pas envie. Ah tu calmes toi Philippe, merci, c'est ma main qui clique partout. C'est ça, on y croit. Bon Fabienne, reviens ici. Donc, tout ça c'est scripté évidemment. J'ai aucun moyen de tirer. Bah ouais, ça serait dommage. Du coup, je réfléchis.
Bah ça, je pense pour... Ah non. Fin décembre. J'ai le temps de cogiter. Si vous avez des idées de comment faire gagner un truc, n'hésitez pas sur Discord, Twitter, en MP, etc. Envoyez-moi un message. Et j'étudierai... Le capot, Philippe. Le capot. Merci. J'étudierai toutes les propositions. Parce que voilà, faire... Clairement, je ferais pas gagner un truc en stream d'un coup comme ça, parce que ça veut dire que seuls les gens qui sont là peuvent gagner. Et c'est pas ouf, parce que vous êtes pas forcément tout le temps disponible. Donc ça sera pas très réglo. Je pense plutôt faire un truc... Oh, c'est fou. Ouais. Ouais. C'est pourri les gars. Moi aussi elle a glissé deux fois, elle se met 5€ bien sûr. Eh les gars, vous voulez pas que je vous achète des souris? Vous avez l'air d'avoir des problèmes de misclic. Allez, on sauvegarde. On avance bien les gars, je sais pas, je suis en phase. Hop. Allez, next. Du coup voilà, je cogite, je pense qu'on va partir sur une question et... Non, mercenaire. Chut, on respecte l'histoire s'il vous plaît, ok? Mets-toi à table. J'ai pas faim. Il faut qu'on sorte de là, vous savez ça, non? Est-ce que l'ordre venait de vous? Oui! C'est fini. Il le tue demain. Je suis venu découvrir qui demande les bagnoles. Et c'est ce que je ferai. J'irai au bout. On sort du bois de là. Et vous foutez le camp. Affaire classée. Ok, Drizox. J'essaye de voir la liste des spectateurs sur l'application Twitch, mais j'arrive pas à voir. Du sel pour manger vu qu'il est taillé à table. Merci, mercenaire. C'est pour ça que je dis merci à chaque petit centime comme ça, parce que un bit c'est égal à un centime, grosso merde. Enfin pour moi, pas pour vous, malheureusement. Mais ta mère savait qu'on n'avait pas le choix. Parce que c'est grâce à vos centimes cumulés que j'ai réussi à toucher cet argent. Donc, il s'est calmé et on a pu s'arranger. Je passais par derrière pendant qu'il prenait le problème. On veut pas savoir. Et du coup voilà, mais vous inquiétez pas, je changerai pas pour autant. Et si un jour je change vraiment, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Hein. Go! Pas. Je jouerai toujours à des vieux jeux comme ça, je suivrai pas les tendances. Là vraiment Red Dead et Spider-Man c'est vraiment exceptionnel, c'est parce que bah, Spider-Man j'ai envie d'y jouer. Et Red Dead bah, j'ai kiffé le premier. J'ai pas fini d'ailleurs, je vais le finir entre temps. Et je me dis c'est le minimum que je peux faire pour vous, c'est acheter bah, un jeu qui vient de sortir pour faire un gros let's play ou follow. Ah, on les tue ou pas? Ils sont un peu bêtes, non? Un peu. J'en peux plus de ces phases de gameplay à pied, les gars. Je ferai aussi Driver Parallel Line, que moi je n'ai pas fait, j'ai juste commencé sur la première Xbox. Je pense que je le ferai aussi. Je pense que je le ferai en live aussi. C'est les phases de tir. Ah, ils sont bons en bagnole, hein, mais les phases de tir sont totalement pétées. Ah, les gars, ils sortent comme des diables. Over there. Il n'y a aucun moyen de viser vraiment précisément. Je sais pas si ça se ressent en vidéo, mais je vous assure que la visée, j'ai l'impression de viser avec un bout de bois. Et tu peux pas viser rapidement, t'es vu dans tout comme ça. Enfin bon, on s'y plie, hein. On est 6, incroyable, sur Driver, on est 6. Bonsoir les gens. Aucun moyen de savoir qui est là, je suis désolé, hein. Je peux pas sortir du jeu en fait, sur Driver. Et je trouve pas la liste des viewers sur l'application, les gars. C'est relou. C'est relou. Ils sont du bois. Tu conduis. Ah, évidemment, je conduis.
Le jeu s'appelle Driver. Allez, c'est parti. Hop, hop. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, forcément, il s'est échappé. Voilà. Ah, on sent que c'est un jeu à l'ancienne. Hein. Ne saute pas. Là, je pourrais essayer de tirer dans les pneus direct. On remarquera que d'ailleurs, les trajets ne sont pas toujours les mêmes. Et ouais, on pouvait pas anticiper vraiment. C'est scripté, mais pas totalement en fait. Je pense qu'il y a plusieurs trajets pré-écrits, en gros. Ou peut-être qu'ils switchent entre divers intersections. What? On va essayer un truc. Merci, mercenaire. Oui, mais il y a toujours les bots habituels, les gars. Ça change pas. Et bim! Bon, attends. Merci beaucoup, mercenaire. Ah, vous êtes top. Hein. Vous êtes top. Mais ne... Non, mais... J'aime beaucoup Driver, les gars, mais là, c'est compliqué. Et si on se faisait des Drivers en live? Genre là, on fait Driver 3. Je ferais Driver par inline et je l'ai vraiment pas fait. Bon, celui-là, je l'ai fait, mais c'était il y a tellement longtemps que tu penses bien, je m'en souviens plus. Sauf 2-3 missions. Et Driver San Francisco. Et je pense que je ferai Driver 1 sur YouTube, ça c'est sûr. Parce que c'est même à moitié tourné pour tout vous dire. Et Driver 2. Comme ça on fera la série complète Driver en let's play, pourquoi pas. C'est un jeu que j'aime beaucoup Driver. Malgré ses défauts sur certains épisodes. Il trace mais tellement. C'est bizarre, avant j'arrivais à voir les spectateurs. Redrizox. Enfin bon, peu importe. Après on passera sur Dirt. Et là je pourrais voir ce qui se passe. Bon là je pense que je ne peux rien faire à part le suivre évidemment. Ah bah ça c'est malin. Mais quel noob. Mais quel noob. Ah j'aurais presque pu continuer dans le tunnel. Le petit S du sub, bah ouais. Bah ouais les gars. Bah bientôt tu verras un chat araignée, de Spider-Man. Et tu verras un chat cowboy. Enfin, c'est souvent que le chat conduit en fait. Mais non, non, non. Oh là là. Oh là là, la barbe. La barbe. Donc ouais bah Drizox, le petit S qui va bien. Je crois qu'en tant qu'affilié j'ai pas le droit à d'emote, j'ai juste le droit à ça. Au badge. Et j'ai pas encore le droit aux emotes, au smiley quoi. Non j'en ferai un. Faut que je check mais c'est un peu compliqué. Peut-être un jour partenaire, peut-être un jour. Mais bon faut quand même être 70 en moyenne. C'est pas tout de suite. Ouais, ça me convient. Ça me convient pour l'instant. Vraiment, je le redis depuis le début, tout ce qui me plaît en étant partenaire, c'est que vous pouvez choisir la qualité du stream. Et ça serait trop bien. Ça serait vraiment super de pouvoir choisir la qualité du stream. Moi, je peux streamer en ce que je veux et vous pouvez réduire la qualité. Ça, c'est tellement top. Non, arrête de patiner. Email, maintenant, vous tournez dans Twitch. Ah ouais, pas con. Ou Speederliel. Speederliel. Ah, attends, il tourne à droite. Ok. Ah, j'ai cru qu'un mec allait me rentrer dedans. Ok, donc tac tac. T'inquiète, on va trouver. On fait pas la même erreur. Oh la 4L. Bon, il fait quoi là, Philippe? Incroyable, on peut tirer. Y'a un mec qui vient de se suicider à gauche. Vous l'avez pas vu, mais y'a un mec qui vient de se suicider. Donc ceux qui voient ça sur YouTube en replay, bah remettez 15-20 secondes en arrière. Ça tu peux pas viser en fait. Facile. What the fuck? Dommage. C'était beau hein. C'est pas utile mais c'était beau. Bon ça c'est idiot de faire ça parce que je perds du temps en fait.
Oh là là. Ah les poteaux Ils sont du bois. Tu conduis. Ils ont du bois, c'est bien. On fait un peu de chemin. On lui crève un pneu. J'ai cru que ça allait passer. Ouais ouais, j'ai cru aussi mais non. Juste à cause du petit poteau là, tu vois. En fait, quand on est deux, on peut tirer. Petite particularité. Vous voyez rien de bizarre dans cette phrase. Hein. Quand on est deux, on peut tirer. Ah, ça sera le titre de la vidéo, tiens. Quand on est deux, on peut tirer. Si c'est pas du putaclic. Ah. Là il prend cher. Il y a aucun moyen de bouger la mire en fait. Bonsoir aux arrivants, on est 7, c'est incroyable qu'on soit 7 sur driver quoi. Et bon, j'ai pas envie d'aller faire mana contre sens. Voilà. On est d'accord qu'on est en train de tirer sur une voiture où il y a entre guillemets un otage quand même. Est-ce que c'est le truc le plus tactique à faire? Non, je ne crois pas. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Si quelqu'un se kidnappait, ne tirez pas sur le véhicule. Voilà. Ou cette fois que ça arrive. Et bah quoi? Est-ce que les mecs sont morts dedans ou pas? Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est pas cette visée. Voilà. Ce jeu est joué par un professionnel, tentez pas. Exactement. Tentez pas du tout ça chez vous. On sait ce qu'on fait, ok. Ici, on est des pros. On essaie de l'être. On avance bien, les gars. Il est 21h50, on va tranquillement passer à Dirt 2 bientôt. Avec du bois ou hangar à bateau, récupérer le laptop. On parlera plus tard. Le laptop. Il est temps de mettre un point final à cette affaire. On est à l'international, les gars. Le laptop. PC portable, évidemment. Laptop. Allez. Ah là, je peux tirer. En bateau. Est-ce que je peux changer d'arme en bateau? Non. Enfin, si, sûrement, mais bon. Je rappelle que je joue avec une manette Xbox One. Et que le jeu est pas forcément fait pour une manette Xbox One, donc ça bug un peu. Le GTA du passé, ouais, c'est un peu ça. Bah, à l'époque, il était sorti face à Vice City. Après Vice City. Entre Vice City et San Andreas, je crois. Parce que dedans, je saurais pas exactement, je vous montrerai ça dans un mode libre. Il y a des easter eggs, il y a des choses à trouver dans le jeu. Et il y a des mecs en chemise à fleurs qui s'appellent Tommy Versimilli, comme vermicelle, en dédicace, en clin d'œil à Tommy Versetti de Vice City. Voilà. Bien que les phases à pied de GTA sont bien meilleures que les phases à pied de Driver, mais la conduite de Driver est bien meilleure que la conduite de GTA, enfin des anciens GTA. Là, pour moi, la meilleure conduite de GTA, c'est GTA 4. Je sais qu'il y a beaucoup qui critiquent la conduite de GTA 4 parce qu'elle est un peu trop réaliste. Genre, tu burns, tu pars en survirage, t'as la suspension, etc. Mais c'est vraiment pour moi la plus kiffante. J'aimais pas trop les conduites des GTA Vice City, San Andreas, c'était trop arcade en fait. Même si ça collait bien au jeu. Mais j'avais pas vraiment de plaisir à faire des poursuites avec les bagnoles. Tu pouvais pas burner, tirer des freins à main, c'était pas... Voilà, j'ai toujours préféré Driver. Enfin bon, cinématique. T'as chopé ça. Vous ne saviez pas que le flingue était vide, pas vrai? C'est ici qu'aura lieu l'échange? Non, c'est la ville où a lieu la transaction. Quelqu'un d'autre utilise cet endroit? Personne. Tu te souviens de moi? Moi, je me souviens de toi. T'es un flic. Et je suis le mec qui a juré de te retrouver. Alors lui, il est connu des anciens drivers. Pour ceux qui ont fait les premiers. Il y a un mouchard dans le chargeur. Thank you.
Bon, je pense pas qu'on partira à Istanbul ce soir, les gars. Hop. Comment on le lève ? Ah merci. Mais merde, putain. Mais quel boulet. Bah je crois que je suis mort. Hein. On crevait un pneu. Bon, mais non, mais les gars. Laissez-moi faire mon truc tranquillement. Ouais, j'ai pas d'armes. Ah, il faut aller très très vite, hein. Bah c'est moi, on recommence. Hop. Ah ouais. Alors tac tac. C'est moi comme il bug. Quelle délicatesse. Ouais. Bon. Mais non. Oh la plaie les gars, la plaie. Il y a des bonnes idées hein, mais le c'est pas fait pour en fait. Hop. Voilà. Allez. Te presse pas, hein, tout va bien se passer. Alors là, il faut que je saute. Autant vous dire que sauter sur ce jeu, c'est de la merde. C'est bon. Une arme. Une arme avec 900. Ah, tu. Ok, tu peux pas les tuer. On ne peut pas les tuer. On apprécie. Un peu de santé. Non. Il y a des mecs partout. Je suis tellement dans la merde. Ouais, forcément. Salut les gars. Mais non. Hop. On va tenter un truc. Allez, si ça passe les gars. En fait, faudrait que je monte dans le bateau là. Et je trace tout de suite. On va où? Ah oui, ok. Il nous faut une voiture. C'est clairement le mauvais délire par là. J'ai plus de santé, tout va bien. Tout va bien, on est au top. Ah, on va aller là. On va aller là. Évitons de faire le con, je vais me bloquer. Pas tenter le diable. J'aime beaucoup Driver, hein. Mais là. Déjà à l'époque, je pétais des plombs. Mais et là, c'est encore pire. Bon. Il nous faut une voiture. J'ai pratiquement plus de vie. J'ai qu'une arme de merde. Bon. On va aller par là. Sachant que je sais qu'il tourne. Petite pub pour Nokia. Je sais qu'il tourne en bagnole. C'est le petit truc rouge qu'il y a sur la map. Bon, il me faut une voiture. Est-ce qu'ils vont se ramener par là ou pas? Ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il n'y a pas de voiture. Putain, ces sauts, mais légendaires. Ils viennent par là ou pas?
Y'a pas une caisse? Y'a pas une caisse? Là, il y a une voiture et ils vont être juste là. Là, je vais me faire défoncer. Ils vont arriver sans ma tronche, je vais rien comprendre. Là, ils m'ont repéré, voilà. Allez, là, roule. Enfin, si j'arrive à quelque chose, ça serait un peu vite. On aille tout en haut là-bas. Pas un seul truc de santé, que dalle, j'ai rien. Et j'ai que dalle, vraiment en santé, j'ai genre 5%. Vous le voyez pas avec l'overlay, mais j'ai genre 5% de santé quand même. J'aurais peut-être prendre une moto, ou peut-être pas. Qu'est-ce que j'aimais passer ici en camion? Quel talent! Attends. Ok, d'accord. Ah, c'est chaud là, attends. On arrive à passer. Ah, ok, d'accord. Hop. Ah merde! Bonsoir. Je devais passer par là, je pense. Hein. Ouais, j'y vais mollo parce que je sais pas trop où aller. Ah, je suis stressé là, avec la caméra aussi, c'est n'importe quoi. Hop là. J'aime bien, c'est limité à 30. Le guerre aller plus vite. On va prendre des risques, mais bon. Ah ouais! Ok! Oh les gars. Cette mission. J'ai pas eu la santé et tout. En fait, j'ai l'impression. Le Kappa qui est trop bien placé. Bah attends, les mecs ils m'ont genre ES quoi. Ils avaient un aimbot, c'est sûr. Allez. Vas-y, tu peux remettre un Kappa, hein, sincèrement là. Putain, j'en peux plus. Ce gameplay à pied. Quel play quoi. C'est pas... Ah, voilà, c'est pas un gameplay, c'est un gamepied quoi. Le gameplay, mais c'est le putain. Gameplay. Allez. Hop. Gumpy. Mais arrête. Prends ton échelle, grimpe, saute, fais tes trucs, sors d'ici. Et Théma, là c'est de la merde. Mais c'est... Mettez-moi dans une voiture, mais... Ne faites pas marcher, s'il vous plaît. Allez. Au secours. Bon, les dons vont servir à payer mes frais de pick-up psychiatrique, je pense. Hop. Allez, c'est ça, manœuvre, tac.
problème c'est que je peux pas les tuer, j'ai essayé en chopant mon gun, j'arrive pas à les tuer les mecs qui sont de l'autre côté quoi. Et eux par contre ils me hit. Donc. Alors peut-être parce que. Descends, là. Prends ton temps. Aïe! Putain, j'ai pris de la santé, mais. Oh ouais, c'est bon. What? Oh, les mecs, ils m'ont défoncé. Il y a un corps qui flottait pas en fait. Bon, c'est pas grave. Ce qui est relou, c'est ça en fait. C'est-à-dire, j'ai encore pas de santé. Y'a pas de voiture. De quoi? Quoi? Mais what the fuck? Mais what? Mais what? Mais putain. Sérieux. Sérieux. Absolument que je tue les mecs qui sont sur le bateau parce que sinon ils allument mon bateau et ils m'allument moi. Donc. Merde, je ne peux pas les tuer. Voilà, je reviens là. Merde. Tu vois, je ne peux pas. Tu vois, je descends directement comme ça. Ah, il y a un fusil à pompe là. Attends. Prendre la santé. Puis on va faire autrement. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ok. Ah oui, il y a de la santé ici. C'est une blague. C'est une blague. Mais what the fuck. Ok d'accord, donc là il y a la... Ok bon, déjà c'est mieux. C'est... Voilà, on n'a pas de santé mais bon. Putain, please. Please. Laissez-moi. Bon, genre on va éviter de faire le mariole en bateau déjà. C'est bon, on avance, il y a du mieux. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu baisses le truc? J'en peux plus de ces bugs. C'est dingue hein. En voiture ça va mais là... Ouais, tiens voiture. C'est ça ouais. Je suis qui bleu. Essaye de la jouer tactique, ok? Là, on est bien. Avec ça comme arme. C'est pas ouf, hein? Alors. Là, on est bien. Là on va éviter de se faire repérer par les gars, clairement. C'est pas bête. Ah, y a un ah ouais d'accord ok. On trace ou pas le barrage? Bon on trace le barrage.
Bon, les mecs en deux spies m'ont défoncé ma gueule. Ah là là. Jusque là ça va en fait. Après là-haut faut faire gaffe. Les gens n'auront pas à se fatiguer avec le bateau et toutes ces conneries. C'est un gain de temps non négligeable. Tac tac. Il y a des mecs maintenant ici. Fais gaffe parce que s'il y a un barrage, tu vois. Pas trop le genre de rue où je peux faire demi-tour facilement. Je suis un tour pour rien, ça me gonfle. Je peux pas passer là avec la voiture ? Ça va passer. Allez, ça passe là. On va me faire croire que ça passe pas. Moi je te dis que ça passe. Je vais passer par là. Je vais pas passer par là. Où passer là? Hop là. Mais ça c'est censé être un mec qui me... Non. Ok d'accord. C'est bizarre hein. Oh là là. Non, mais les mecs là qui m'ont visé direct, t'as abusé quoi. Grimper par là. Oh, ça va être compliqué. Il y a une rampe en haut, mais je crois que c'est pour sortir. Bon, là, du coup, les mecs ils m'ont tué direct. Comment ils m'ont tué direct? Le mec peut pas passer ici quoi. T'es sérieux? C'est une blague. Heureusement j'ai pas un chrono les gars. Toi, tu pouvais pas les tuer toi depuis tout à l'heure. Le mec regarde sa montre en mode oh putain qu'est-ce que tu fous. Wouah les gars c'était chaud. Tu veux que j'aille aider l'Omaz? Non, le flic n'a nulle part où aller. C'est la voix de Marcus. Déjà allé en Turquie. Ah, on ah oui pas vrai. Ce serait pas toi qui aurais trouvé le crâne de Nas? Un malentendu culinaire. C'est une insulte là-bas de ne pas manger les yeux du mouton. T'as déjà goûté à ça? Non. Ça a quel goût, un œil de mouton? Je sais pas, je l'ai pas mangé. Donc voilà, la voix de Marcus et d'Al Pacino en français, je crois. Donc c'est José Luciani, je crois, me semble. Bah voilà. On regarde ce qui nous attend quand même. Mais on la fera pas, cette mission, parce qu'on va faire une petite pause et passer sur Dirt 2.
On va juste checker pour voir. On la verra de toute façon dans la prochaine. Ah bah voilà. Nickel les gars, nickel. On arrive pile poil pour Istanbul. Bah c'est bon en fait, on a fini avec Nice. Ah oui, je me rappelle de cette musique, cette ambiance. Je te laisse écouter. Cette musique est folle, hein. Elle pourrait être sur un trailer de Kojima ou un épisode de Walking Dead. Les caisses sont arrivées. Toutes ? Ouais, toutes. Tu voulais pas qu'on prenne ce boulot, pas vrai ? Écoute, c'est Jericho. Il est imprévisible. On dit qu'il est entré dans un ascenseur avec Ken et qu'il l'a buté. Alors ne prends pas l'ascenseur avec lui. Il est bien pour South Beach, parce que la transaction est bonne. Il est là. On y va. T'en fais pas, je prends les escaliers. Bon, on va arrêter là. Et on partira de Istanbul sur le épisode prochain, épisode 5. Bon, c'est bon, stop. Istanbul quoi, ça c'est exotique comme destination dans un jeu. En plus ça sera une filature, le truc le plus bidon, je déteste ça. Bref, stop ici. Voilà pour cet épisode je crois 4 du Flow Live Survivor. Avec la magnifique carte d'Istanbul. Qui est... Zoomer, tu peux pas dézoomer. C'est ouf là. Qui est séparé par des ponts évidemment. Ah, on ne peut pas... Tu peux zoomer, mais tu peux pas. Ah, d'accord, tu dézoomes comme ça. Ah, ok. Voilà, ça sera pour le prochain épisode. Si tu vois ça sur YouTube, comme d'hab, tous les liens dans la description, évidemment. Le Instagram, le Twitter et Twitch, t'as envie de nous suivre en live, forcément. Moi, je vais faire ma petite pause. Je reviens dans quelques minutes, 2, 3, 4 minutes. Pour du Dirt 2, on va faire deux grosses heures de Dirt 2. Ça va changer un peu. Et puis, voilà, à de suite. Sortir de ce jeu, forcément, voilà, on peut pas couper comme ça, tac tac. À de suite.